Choisir, il faut savoir choisir. Et ça, c'est tout le problème. Et savoir choisir, ça veut dire savoir pointer là où il faut intervenir, là où il faut jeter. Le J de jeter. Le J de juger. Juger, ça veut dire aussi faire un tri. Et on parle du jugement de Salomon à propos des femmes qui réclamaient un enfant, etc. Donc, voilà, il y a cette nécessité de savoir choisir. Or, le juif, le mot juif d'ailleurs est beaucoup plus heureux que Yehoud, Yahoud. Juif, c'est le J. Les Youd, c'est pas du tout, c'est beaucoup moins intéressant. De même que le Jou n'est pas valable, ou le Houdi. Non. Le J, juif, ça c'est vraiment valable. Et donc finalement, ce J qu'on trouve dans je choisis, je veux, alors que les Espagnols vont dire yo, et les Allemands vont dire ich, les Anglais vont dire aïe, etc. Donc le français est comme une langue extrêmement sacrée. Et nous avons cette fameuse Jeanne d'Arc qui devient en anglais Joan of Arc. Alors, à propos de la Marseillaise, justement, j'en ai déjà parlé, les gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Allons-en. Demandez à des gens qu'est-ce qu'on dit dans la Marseillaise dans les premières phrases de la Marseillaise, ils ne savent pas. Allons aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé très bien. Ensuite, le jour de gloire. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Parce qu'on a inversé. C'est l'étendard de la tyrannie, ce n'est pas de la tyrannie l'étendard. Mais pour des raisons poétiques, on a inversé. Donc les gens sont perdus. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Et qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent rien du tout. Demandez à 80%, à 100 personnes, il n'y en a pas une qui va vous dire que l'étendard de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Ils ne comprennent pas que c'est l'étendard de la tyrannie.